Salut à tout le monde, alors aujourd'hui, vidéo sur Watch Dogs 2. Ouais les gars, Watch Dogs 2. Donc c'est parti les gars. Oh, ça défonce. Du coup, nouvelle partie. Oh, ça donne les gars. Allez, 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 pour mes potos. Enfin, du Watch Dogs 2. Ça fait trop ouf. Oh putain. Je suis quand même content. Carrément. Ok, Retro. Considère ça comme ton initiation. Ta mission, si tu l'acceptes, est de contourner la sécurité à l'entrée des locaux de Bloom, d'entrer et d'effacer ton profil personnel sur le site iOS. Je sais pas ce qu'ils ont sur moi, mais c'est des conneries. Et surtout, j'aimerais bien qu'on me lâche. Raison de plus pour un petit nettoyage. On te regarde. Essayez de suivre. Ah ouais. On t'a préparé une petite playlist pour te mettre dans l'ambiance. J'espère que t'aimeras. Ouf, si. On va étaler du connard, moi je me dis. Elle est là. Attends, 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 non, non. Attends qu'il se ramène. Hop. J'ai toujours aimé faire ça, moi. Non, 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 non. Ouais, voilà, voilà. Oh, c'était du viol. Oh, c'était violent ce qu'il lui a mis. Okay. Ok, c'est bon, on a une arme. Ah, ok. Ok, pas comme j'étais, hein. À l'aise. Maintenant on va voir par où on va pouvoir. Non, pas par là. On va devoir. Attendez. On va devoir comme ouvrir un truc. Donc on va comme faire ça. Est-ce qu'il y a sûrement encore un truc à ouvrir? Bon, je prends le risque. Passer par là, plus judicieux. Qu'est-ce que tu fais, Nico? Ouais, attends-le, attends-le. Ok, là. Au moment où je vais le choper, il va fermer sa gueule. Oh! Oh, ce que je lui ai mis!
Non, enfin, on va essayer un autre truc. Ah ouais, c'est vrai, c'est comme Assassin's Creed maintenant. Extrêmement la même chose que Watch Dogs. Ah. Ah, ça va pas maintenir, d'accord. Ça sert à rien, je te dis. Il est pas là. Bingo. Alors c'est lui? Il a une arme. C'est un problème. Les problèmes, je suis là pour m'en occuper, non? Lance le chrono. Ça m'intéresse. Ça y est. Il est entré. Quoi? Déjà? Non, non, non. C'est un synonyme, ça. Je veux une vraie réponse. C'est pas mon truc, les extraterrestres. Hey, c'est pas n'importe quel alien, c'est... Quelqu'un d'autre a un problème avec... Okay. C'est qui ce mec? C'est... Rétro. Le hacker du Home Domain Awareness? Ce rétro-là? Ouais, on te l'a déjà dit en plus. Ouais, mais j'écoute jamais, moi. Putain, j'en reviens pas. Ok, donc faut que ça les garde normalement la clé. Non, non, on se le dit ça. Il faut la clé, il faut la clé. Ah. Ouais, moi je cours sur la table, pas de problème. Moi. Ah bah, t'es con quoi. Tiens donc. Et moi je crois que j'ai passé mon temps à répondre à chaque fois. C'est quoi son histoire? Il a grandi à Auckland, mais il est né à... Non. Son histoire, c'est qu'il traîne près du centre de ressources de DedSec et qu'il est plutôt doué. Alors on s'est dit qu'on allait le tester. En difficulté maximale jusqu'ici, personne n'a jamais réussi à effacer son profil CTOS. Je veux voir s'il est malin, têtu ou les deux. Moi. Ah, t'as l'air de découvrir parce que moi je suis pas, je sais pas. Ah d'ailleurs attends. Ouais, comment est-ce que je vais faire pour y aller moi? Je vais jeter un œil. T'as raison.
ta gueule là. Bien. Wow. L'idée, France. Il a tenté le coup. Il aura pas beaucoup de temps avant que les renforts arrivent. On se la fait à la Assassin's Creed, moi. Je crois qu'il faut peut-être passer par là, là. Allez, je fais tout ça sans éliminer tous les gars. Il va dans le four là. Il fait près de 50 degrés à l'intérieur de ce four. Il est chaud ce mec. Alors là, respect. Il a peur de rien. Personne n'y est jamais arrivé. Putain, c'est comme découvrir le niveau des vaches. Item. Bah, tu me vois pas quand tu peux me voir là. Il va vous voir celui-là. Comment tu peux... Attends.
Pas trop fort, hein, être intelligent, toi. Comment est-ce qu'on va faire ça, les gars? Comment on va faire, les gars? Nico, c'est pas visé. Là, ta gueule. Il faut y aller quand même, moi j'arrive pas. Comment ça se fait, ça? J'arrive pas à trouver où aller.
bizarre. Ça sera peut-être quand j'aurai éliminé tous les ennemis. Ta gueule. Pirater le terminal. Il faut aller à la base de données. Mais elle est où la base? Et on trouve jamais ça. Putain. Ah, attendez, on va peut-être regarder ici. Il y a peut-être des trucs, il y a des ordi. Ah, tiens, enfin. Et ça ne va pas, c'est vraiment ce que je dis. La gueule. Restez là les gars. Putain, pourquoi mon niveau de menace est aussi élevé? Hop. Non. Ça. C'est quoi ces conneries? Sérieux là? Putain. Merde. Ou alors j'ai qu'à... Je connais. Ah, c'est déjà bien.
Il y a quand même des beaux trucs là. Par ça, le drogue. Oh, m'intéresse ça. On a un sucre d'or. Je vais laisser une backdoor dans le système. Ça me permettra d'y accéder plus tard. Désolé, Bloom. On n'a pas encore terminé. Il ressort. Chope-le. Yeah. Déclencher la fonction de l'objet, carré pour placer un capteur de proximité, triangle pour désactiver la fonction de l'objet pendant quelques secondes, et rond attirer le PNJ vers l'objet. Okay. Oh, oh ça, oh, ce qu'il lui a mis. Confirmation de la cible. Oh putain. Il va sortir un peu notre arme. C'est quoi ça? Okay. Oh putain, c'est trop bien. C'est comme une fille là, les gars. Ah, Dieu, en cas, je vais à la meilleure couronne. Ça la foutre. La meilleure disque, ça prend trop de temps. Merde, pourquoi je remonte? Ah, ah, la souffrance. Hors de question, tu m'échappes. Bah, pourtant, je suis parti, connard. Oh, ouais, bon, qu'est-ce que je fous? J'avais déjà ouvert. T'es sérieux là? Wesh? Ah ben, wesh. Hey! Y'a là, tu vas pas le temps! T'es pas de calmer, Faye. Bon, moi je me casse. Bon, toi! Oh, va mieux. Vite. Bon, on va être forcé de se bagarrer. Casse-toi. Non! On va pas rigoler. Okay. Voilà. Au revoir. Je vais jouer à la manière ouf, moi. Tous les gars qui passent, je les mets.
encore rater ces trois gueules parce que t'as rien fait. Allez. Mais non, les enfants, pas obligé de se battre. Hein. Mais non, qu'est-ce que tu fais, toi? Regarde ton oxymore. Ça me donne un. Là un peu. Voilà. Tiens donc. On est passé là tantôt les gars en plus. On va le retrouver, allez. Non, oh, t'as raison. Ne bougez plus. C'est bon, bien, je bouge pas. Dans ton cul, Bloom. Oh putain, j'adore. Et tu peux quoi, toi, Kama? Pourquoi je peux pas te niquer? En 2013, Chicago concrétise la promesse d'une ville connectée avec le CityOS, un système d'exploitation urbain alliant le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ses serveurs centraux et à paralyser tout le réseau. Beaucoup pensaient que l'attaque marquerait la fin du développement des villes connectées. Ils se trompaient. Coordonné depuis le cœur de la Silicon Valley, le CityOS 2.0 est implémenté à travers tous les États-Unis, instaurant l'Internet des objets. Plus de 6,4 milliards d'appareils connectés servent désormais de points de collecte, consignant nos trajets et gestes quotidiens pour un système plus sûr et plus intrusif. Mais qui d'autre observe? Big Brother ne travaille plus seul. Des milliers de petits frères surveillent et enregistrent vos faits et gestes, constituant un profil numérique de vous qui pourrait être vendu, échangé ou volé en un instant. Les jouets analysent les enfants et communiquent leurs habitudes de jeu aux services commerciaux. Les appareils, consoles et systèmes de sécurité domestique ouvrent votre intimité à des sociétés. Les commandes de votre véhicule et les appareils mobiles peuvent être piratés à distance par n'importe qui. Vous pensez peut-être que ce n'est pas si grave, ou que vous êtes à l'abri, mais votre ombre numérique est déjà compromise. Les compagnies d'assurance emploient des algorithmes pour surveiller vos habitudes et limiter vos remboursements. Les médecins prédisent l'année de votre mort et déterminent si votre cancer mérite un traitement. Les résultats de recherche et fils d'actualité sont manipulés pour influencer votre humeur et vos votes, générant des soulèvements sociaux à grande échelle. Vous avez moins de valeur que les données que vous produisez. Bienvenue dans la nouvelle réalité, où le contrôle est une illusion et se cacher n'est plus une option. Alors que les libertés individuelles sont menacées, la résistance s'organise. Sonneurs d'alerte, activistes et hackers se dressent contre l'ordre établi et accentuent leur vigilance. Mais sont-ils eux-mêmes un danger? Ou les derniers défenseurs de la liberté? Les derniers défenseurs de la liberté. Alors? Je suis pris? Bienvenue chez DeadSec. Moi, c'est Citara. Le petit jeune, c'est Josh. Nom de code, Hot Sauce. Mec, c'est toi, Hot Sauce? Sérieux, tu m'as fait kiffer avec ton piratage de la fac. Merci. Lui, avec le masque, c'est Wrench. Live long and prosper. Et le beau gosse, là, c'est Horatio. Bien ou quoi? Salut, mon frère. Alors, c'est ça, la team. Vous en avez mis du temps à venir me chercher. Vous avez vu ce que fait Bloom? Le CityOS fait pas que réguler les infrastructures. La quantité d'informations personnelles que ce truc récupère, c'est tout simplement n'importe ouais. quoi. C'est comme si Big Brother et son petit frère avaient décidé de fusionner. Hein? Ils voient tout ce que tu fais et ils te dénoncent. Merci, Josh. Alors, on fait quoi? On peut l'exploser, ils foutent le feu. Ou non mieux, les deux en même temps. Vu que toutes les informations sont centralisées, ils peuvent rejeter ton dossier avant même que tu l'aies déposé. Toutes nos félicitations. Votre demande de crédit a bien été refusée. Ta baraque, ton assurance... Ouais, mais attends, ça va encore. T'imagines ces données entre les mains du gouvernement? Ils peuvent t'arrêter pour des trucs que t'as même pas encore fait. Ouais, je suis passé par là. Maintenant, je comprends mieux. C'est vraiment... Bon, vous savez quoi? On va les baiser!
On est des putains de hackers. On a le cerveau, on a les balls. Faut qu'on dise la vérité aux gens. Il faut qu'on leur montre ce que fait Bloom, quoi. Il faut leur montrer que leurs données personnelles sont utilisées pour détruire leur liberté, putain. Merde. J'ai installé une backdoor, du coup, on n'a plus qu'à rentrer. Attends. T'as quoi ? Il a installé une backdoor, du coup, on n'a plus qu'à entrer. Tout juste. Excusez-moi. Vous avez l'heure ? C'est bon, ça. Il est quand même un peu tard pour courir, non? Tu fais quoi? T'essaies d'échapper aux flics, c'est ça? Peut-être que j'en suis, hein. Eh, hey, mais... Je t'ai déjà vu quelque part, non? Amusez-vous bien. Essayez de traquer ça! Le coup, il faut tomber sur le câble. Cul, Bloom. C'est l'heure de la vengeance, ma gueule. C'est bien pour l'instant. Pour l'instant, j'aime bien. Pour l'instant, hein. Mais vu que j'étais un tout petit peu déçu par le premier. Parce que, au bout de deux mois, je m'ennuyais. Je m'ennuyais avec. Désolé. Parce que il y avait plein de trucs qui m'énervaient. Allô, il est à qui ce téléphone? Ben maintenant il est à toi. Et le mien à moi, il est où? Dans l'océan, c'est là que tu l'as acheté, je crois. Enfin, je me rappelle plus, j'étais bien défoncé. On se retrouve à Carspace. Où ça? Regarde dans tes photos, tu devrais trouver. Puis quoi, il dort par terre, lui. Bon, allez, réveille-toi, putain. Mais je suis chez qui, là? T'es chez toi, frère. Oh. D'accord, je vois. Oh, c'est beau, putain. Oh putain, c'est beau. Oh putain. Ça défonce. J'étais torché, c'est ça? Oh putain. C'est rien de le dire, mon ami. Va t'acheter des fringues et je te dirai où aller après. Ah, et tu vas avoir besoin de ton téléphone pour la suite des opérations. Alors pense à télécharger toutes les applis utiles avant de venir. Putain, je me tape la honte dès le premier jour. Putain, c'est trop ouf ce truc. On va pouvoir la manipuler de la voiture. Ah bon. Mais c'est bon, je fais quoi dans une voiture, merci. Voilà, mais la vérité était bien améliorée. Ça, c'est bien. Désolé, les gars. Je peux pas appeler les flics pour ça. Bon, on va prendre le téléphone. Ça, c'est pas le téléphone, gars. Voilà. Ah. Je crois qu'il fallait là-dessus, on me l'avait dit. Ah ouais, voilà. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, bon, voilà, j'espère que pour l'instant, on s'est arrêté là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Et nous vous à la prochaine fois de ma vidéo. Ciao, bye. Peace.
Ça va ou quoi, salope?